Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur ma page Facebook. Là, je suis sur mon ordinateur, sur le compte Business pour tous. Je vais te montrer comment tu vas pouvoir déléguer, programmer, gérer en un clic l'emploi du temps sur toute ta semaine pour tes comptes Facebook, Instagram. Et après, on va faire le lien avec du coup une autre vidéo que j'ai fait pour gérer tout ton business. Donc, tu vas voir un petit peu comment je m'organise. Donc là, je suis sur ma page. Ici, donc sur la gauche, tu as la suite business quand tu règles ton compte du coup en page pro. Là donc moi je vais dans la suite. Là après donc tu peux aller dans planning, outils de planification, publication pardon, fil d'actualité et tout ça. Moi je vais aller dans planning, je clique dessus. Hop, ça charge. Et donc là on voit, on arrive dans planificateur. Là si j'ouvre, je vais avoir la messagerie, notification, les publications, story, publicité et tout. On regardera ça après. Là, moi, ce qui m'intéresse, ça va être du coup le planificateur. Ici, j'ai tout ce que j'ai déjà planifié. Donc, on voit tout le mois de janvier. On voit que là, c'est terminé. Et donc, on voit là tous les postes. Et là, c'est juste énorme. Parce qu'en fait, on voit que là, j'ai des stories, Insta. J'ai du coup du Facebook. J'ai des articles. Donc, de mon blog. J'ai des stories. Et tout ça, du coup, en automatique. Ça a été complètement publié, je l'ai fait en une demi-heure, j'ai fait plusieurs semaines, et après ça tombe tout seul. Donc là, si on va aujourd'hui, hop, aujourd'hui, du coup, j'ai une vidéo que j'avais programmée donc sur ma chaîne YouTube, hop, elle est sortie sur le sur du coup sur la page. Si je clique dessus, je vois que hop, c'est marqué la vidéo, nouvelle vidéo disponible. Donc, d'ailleurs, si tu l'as pas vu, je t'invite à aller la voir. C'est pour gagner des bitcoins avec une appli complètement gratuite sur téléphone. Donc hop, là je redirige du coup vers mon canal Telegram. Et ici, on a du coup, bah, ça te dit si tu as des réactions, des trucs, là elle vient de sortir, forcément j'ai rien du tout. Derrière, j'ai 10h21 auquel elle vient de sortir, une story que j'avais programmée, une story Instagram, et là Facebook. Là à 15h, j'ai un post qui va sortir sur Instagram. Lui, je l'ai déjà publié, donc c'est une photo. Je peux avoir mon post. Et derrière mon post, eh ben, il va être partagé également sur Facebook. Et à 20h, j'ai un article qui va être publié sur cette page Facebook. Avec derrière, eh ben, une page de capture et tout ça. Mais ça, j'en ai déjà parlé, on verra. Donc comment on fait? Là, demain, j'ai que ça. Comment on fait si je veux mettre une publication? On va aller un peu, petit peu plus loin. Là, j'ai déjà des... Là, on voit, là, on est le 2 février. J'ai encore des trucs qui sont publiés. Donc je me suis mis un soir, comme je t'ai dit, j'ai mis, ouais, je pense une bonne demi-heure, et j'ai programmé comme ça 3 semaines d'un coup. J'ai pris mes articles, j'ai pris des photos, et en fait, bah, j'ai tout programmé. Voilà, jusqu'au dimanche 6. Le lundi 7, je clique sur le lundi 7, ça réfléchit. Ici, je vais voir ça après. Il me dit, est-ce que tu veux la mettre sur la page Business pour tous, sur Instagram? Sur l'un, sur les deux, moi je dis bah je veux mettre sur les deux. Ici je peux choisir soit une photo, soit une vidéo, soit du coup de créer une vidéo. Moi je vais dire je vais prendre une photo. Là c'est mes miniatures, bon je peux dire n'importe, je l'enlèverai après. Hop, je choisis ma photo. Donc là, elle s'importe. Voilà, je mine des bitcoins gratuitement. Ça c'est ma miniature. Ici donc je mets. Si tu ne l'as pas vu, regarde vite. Des sur mobile. Je fais quelque chose comme ça. Sur Instagram, elle va y être aussi. Donc là, j'ai Facebook, Instagram. Je peux rajouter du coup des hashtags. Donc là, je peux mettre Bitcoin. Je peux mettre. Attention, du coup, j'ai fait entrer. Je peux mettre Bitcoin. Je peux mettre mobile. Je peux mettre téléphone. Je peux mettre business. Voilà. Tout ça, tout ça. Maintenant, sur Facebook, je peux mettre aussi ce que je veux. Et là, c'est en bas, là, c'est ici que ça nous intéresse. À programmer pour le 7 février, 10h. Si je veux changer, je clique dessus. Je peux programmer soit les deux séparément. Des dates séparées, ou alors bah, je change. Si je veux la mettre à 9h, je mets 9h. Ici,
Je mets 9h. Et là, j'enregistre. Programmer une publication. Je fais OK. Et là, elle réfléchit. Paf, elle arrive. Et là, j'ai mes deux. Maintenant, je ne touche plus à rien. Je laisse faire. Et le lundi 7 à 9h, pouf, ces deux-là, elles tombent. Ce que j'aurais pu faire, bon après là je vais les enlever, ce que j'aurais pu faire, c'est même mieux, c'est mettre après mon lien de la vidéo et tout dedans, mais ça je le ferai plus tard. Ce que je peux dire, voilà, publication et story, ça c'est ce qui a déjà été tout publié. Donc ça c'est les publications, depuis le 20 janvier, non c'est avant. Bon, voilà, tout le 12, le 10. Ici, on voit donc du coup les interactions, les personnes touchées. Donc, voilà, donc là, il y a vraiment voilà, 10, 12, 20, 30 personnes à chaque fois, les interactions, les personnes qui cliquent. Et comme ça, tous les jours, j'ai une publication qui se fait. Et au moins, ça permet de garder un lien avec ton audience. Moi, je touche à rien. Je prends enfin, une soirée, non, même pas, je prends même pas 1 heure à le faire. Tu vois, là, ça m'a pris 3 minutes. Et du coup, j'ai mis ma photo. J'ai mis mes hashtags et hop, c'est parti. Ici, c'est ce que j'ai de programmé. Donc là, donc, c'est mes photos et mes articles pour Facebook et Instagram, pardon. Donc là, on le voit pour le 21, pour le 24, pour le 25, 26, 27. Donc là, j'en ai une tous les jours. Jusqu'au, on a dit, au 7 février. Donc ça, c'est celle que je viens de programmer. Si je vais dans les stories, donc ça, c'est mes stories passées. Planifiées, j'en ai pas. Archivées. Archivées, voilà. Elles sont là. Et là, on voit les spectateurs, les personnes qui ont regardé. Filet grid. Voilà, là, je peux le voir comme ça. Donc là, c'est pareil, c'est mes articles, mais présentés différemment. Et après, j'ai les photos et les mentions. Donc voilà, vraiment à utiliser, du coup, le planning de ta page en sub-business, c'est vraiment un outil qui est incroyable pour planifier tout ça. Parce que du coup, tu le touches une fois et après bah, c'est parti. Et après, ce qui est encore plus fou, du coup, mais ça, je te l'ai présenté du coup dans une autre vidéo. Moi, j'utilise IFTTT. Est-ce que. Oui, je suis connecté. Je vais dans mes applets. Et donc là, moi, j'ai programmé ma photo. Quand ma photo elle tombe sur Instagram, et ben on voit qu'elle est redirigée vers Facebook, vers Discord, vers mon canal Telegram. Là, si je l'ouvre, mais ça, je te l'ai présenté dans la vidéo, bien, je te la mettrai en dessous. Voilà, on voit que si il y a une nouvelle photo sur Instagram, donc comme j'ai fait pour là pour le 7 novembre, je publie une nouvelle photo, et ben la photo elle va être partagée sur Facebook, elle va être partagée dans mon canal Telegram et elle va être partagée sur mon canal Discord. Donc là, j'ai programmé en 3 minutes un post et ça va automatiser tout mon business pour mon audience sur tous mes canaux. Et après, ça me permet de rediriger tous mes canaux vers une source et après, comme ça, je vais pouvoir et bien parler à tout le monde en même temps. Et là, du coup, ça peut être incroyable. Voilà, je te laisse là-dessus. Je te mets cette vidéo si tu l'as pas vue dans la description. N'hésite pas à faire pareil parce que du coup c'est super puissant. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit pouce et à me suivre. Ciao!